Les incendies de forêt ravagent de nombreux pays en Europe. Le Portugal, la Bulgarie sont touchés et subissent dans le même temps une importante vague de chaleur. Le système énergétique ukrainien mis à mal par l'armée russe peine à se reconstruire. L'UE propose une aide massive à l'approche de l'hiver. Une éventuelle candidature de Kamala Harris à la place de Joe Biden pour l'élection présidentielle américaine ne devrait pas bouleverser les liens avec l'Union européenne. Des incendies de forêt ravagent de nombreux pays en Europe. Ici, au Portugal, au moins 14 personnes, dont 11 pompiers, ont été blessées à la suite d'un feu qui s'est déclaré dimanche à Cascais, près de Lisbonne. Attisé par de puissants vents marins, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé, mais les autorités pensent que ce sera le cas ce mardi. Plus de 250 pompiers sont sur zone. En Macédoine du Nord, c'est l'incendie du mont Certa, dans le sud du pays, qui inquiète le plus. Il s'est désormais étendu sur plus de 30 km, rendant le travail des pompiers compliqué. Au plus fort de la crise qui a débuté il y a 2 semaines, suite à une vague de chaleur sans précédent, une trentaine d'incendies s'étaient déclarés. Aujourd'hui, 7 sont toujours actifs. Des pays voisins ont envoyé des renforts et une centaine de soldats participent également aux opérations. Enfin, en Bulgarie, les efforts pour éteindre les incendies dans la région de Boliarovo se poursuivent depuis près d'une semaine. Des conteneurs destinés à l'hébergement temporaire des personnes les plus démunies ont été déployés. L'incendie a touché environ 7300 hectares de terre et détruit de nombreuses habitations. Après les attaques incessantes de la Russie, le secteur énergétique ukrainien ne fonctionne désormais qu'à 50% de sa capacité. Le hall de la plus grande centrale thermique de l'ouest de l'Ukraine ressemble à un atelier de réparation. Au lieu de superviser le fonctionnement des unités, les employés récupèrent tous les composants encore utilisables. Avant la guerre, cette centrale était l'une des principales de la région. Aujourd'hui, elle ne produit plus que de la chaleur pour le village voisin. L'Union européenne observe de près cette situation et s'inquiète du sort des Ukrainiens à l'approche de l'hiver. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a demandé aux ministres des Affaires étrangères de chaque État membre d'augmenter leur aide au secteur énergétique ukrainien. Putin wants to put Ukraine into the darkness and the cold. And that's why the coming 2 or 3 months will be crucial. And we don't have time to wait before the winter arrives. I asked ministers to start mobilizing now to provide more power generation capacities to Ukraine. Contributing to the Ukrainian Energy Support Fund is also needed. Sur le front, l'armée russe a frappé avec un missile Iskander un hangar près de Mykolaïev. Il était, selon Moscou, utilisé pour stocker un système de roquettes et des lanceurs de missiles HIMARS ainsi que leurs munitions. Le sommet informel de 2 jours des ministres de la Justice et des Affaires intérieures de l'UE à Budapest a été boycotté par plusieurs États membres avec un niveau de représentation de ministres plus faible que d'habitude. Conséquence des dernières visites controversées du Premier ministre hongrois Viktor Orban à Pékin et Moscou, alors que la Hongrie a récemment pris la présidence tournante du Conseil de l'UE. I think it's a reaction towards towards Hungarian external activity, maybe sometimes not to adjust it to the European framework. I don't have any comments about this. I'm a French Secretary of State. I represent my ministry, Gérald Darmanin, and I'm just here because we are European. Au centre des discussions pour les participants ce lundi, la sécurité intérieure des 27 membres de l'Union européenne. A határforgalom ellenőrzéseinek a zökkenőmentessé tétele érdekében valamennyi tagországnak készen kell lenni a rendszerrel, hogy megfelelő módon tudjon működni. Ez lényegesen fog javítani a belső biztonságon. La Hongrie espère que les prochaines réunions qu'elle doit organiser seront moins boycottées.
Eddig sem volt példátlan, hogy egy-egy tagállam csupán államtitkári vagy annál alacsonyabb szinten képviselteti magát egy-egy tanácsülésen. Ha azonban ez rendszer szintűvé válik, az bizony könnyen alááshatja a magyar uniós elnökség presztízsét. Az pedig különösen, hogyha novemberben több tagállam kormányfője, illetve államfője dönt úgy, hogy mégsem jön el a magyar fővárosba az európai tanácsülésére. Kónya Rita, Euronews, Budapest. La Slovaquie a reçu lundi les deux premiers F-16 américains sur un total de 14 commandés en 2018 pour une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars. La pandémie et le manque de composants électroniques avaient retardé cette livraison, mais tous les avions seront progressivement livrés dans les deux ans qui viennent. C'est une bouffée d'oxygène pour Bratislava qui, entre-temps, avait remis tous ses vieux MiG-29 de fabrication soviétique à l'Ukraine au début de l'année dernière et s'était par conséquent retrouvé sans aucun avion de combat pour se défendre contre un éventuel agresseur. Même si cette issue était envisagée, le retrait du président américain Joe Biden de la course présidentielle reste un choc. L'Union européenne sait que la qualité du lien transatlantique dépendra fortement du résultat du scrutin du mois de novembre. Le désormais ancien candidat Joe Biden a immédiatement adoubé sa vice-présidente Kamala Harris pour lui succéder. Toutefois, ce changement éventuel de visage dans le camp démocrate ne semble pas signifier un revirement pour les 27. I think for allies in Europe and also in the Indo-Pacific, they can expect a lot of continuity. Many of President Biden's foreign policy staffers will probably stay on for a Kamala Harris presidency if she were to win. Of course, she is more at home in terms of domestic politics. President Biden was quite unique because he really was an exceptional transatlanticist and may be one of the last of his kind. There aren't that many next generation transatlanticists in the American political system. Officiellement, l'Union européenne refuse de commenter ce qui se passe sur la scène nationale américaine. Mais des inquiétudes se font entendre sur un possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et de son soutien en faveur de l'Ukraine. Nosotros tenemos que seguir ayudando a Ucrania. Los ciudadanos americanos están llamados a votar, pero tenemos que asumir nuestras responsabilidades aquí y ahora. No podemos esperar a ver qué pasa en noviembre. De aquí a noviembre, el sistema eléctrico ucraniano estará completamente destruido si no se suministra una mayor capacidad de defensa aérea. Une nouvelle présidence dirigée par le républicain Donald Trump aura des conséquences profondes pour Kiev. President Trump clearly sees Ukraine as a issue for Europeans to take care of. He basically stated in the presidential debate a few weeks ago that there's an ocean between the United States and Europe, and Ukraine should be the responsibility of European leaders. And I do think that most European officials see that moving forward, the defense of Ukraine and also its reconstruction will be on the hands of European officials. En matière de politique internationale, Kamala Harris pourrait se démarquer de Joe Biden sur le Proche-Orient, où elle a tenu des propos plus nuancés que le président. La filiale serbe du constructeur automobile Stellantis a inauguré ce lundi la production d'une Fiat Grande Panda électrique. Le président serbe Aleksandar Vučić et le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, ont assisté au lancement. Stellantis a inauguré les nouvelles lignes de production qui produiront des voitures électriques dans son usine serbe située à Kragujevac. A noter que ce lancement en grande pompe a lieu alors que le patron de Stellantis a livré une analyse en juin dernier lors d'une conférence à ses investisseurs sur ce qu'il identifiait comme les difficultés de son groupe automobile à passer à l'électrique. Il a reconnu que la transition prendrait plus de temps que prévu. At the Stellantis car factory in Kragujevac, the production of the Fiat Grande Panda electric vehicle officially began. As announced by the company, in addition to the electric model, a hybrid model of this vehicle will also be produced in Serbia. Stellantis company officials announced that in the future, Stellantis will have to use its knowledge and innovation to deal with the fierce Chinese competition in the production of electric cars, which the production cost in China is 30% smaller than in West. President Vučić said that Serbia is the only country in the Western Balkan regions that has an electric car factory,
but that in the future work must be done on installing greater number of electric chargers. Dušan Ilić, Euronews Serbia. Le festival folklorique de Sarajevo rassemble des centaines d'artistes en habits traditionnels pour une série d'événements organisés dans toute la ville. Point d'orgue de ce festival qui existe depuis plus de 50 ans, une procession et un spectacle dans la vieille ville se sont déroulés, regroupant quelques 500 danseurs et musiciens. Devant une foule nombreuse, composée d'habitants et surtout de touristes, ils ont défilé dans la principale voie piétonne de la capitale bosniaque. Le festival se poursuit jusqu'à la fin de cette semaine. À moins d'une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, des athlètes et des membres de leur personnel d'encadrement ont afflué dans les terminaux des aéroports parisiens. Cette escrimeuse péruvienne va participer en tant que porte-drapeau de son pays. Elle cache difficilement son excitation. Well, it's a dream came true, of course. We train so much for this. I've been doing my sport for 28 years, so yeah, this is going to be my third Olympic game, and I'm so excited to just begin, you know. Quant à Kirsty Gilmour, une athlète britannique chevronnée, elle a plus d'un tour dans son sac pour atténuer le stress en attendant son premier match de badminton. I brought my pillow from home, I brought a little candle from home, just try and make it feel a bit more home-like and not a kind of, yeah, separate, very strict Olympic village. So try and make it a little bit comfy. Rendez-vous ce vendredi pour la cérémonie d'ouverture.